Salut tout le monde et bienvenue pour la suite de Project 04. On s'était arrêté à une petite course-poursuite. Je sais, la dernière fois, je m'étais arrêté en plein cliffhanger. Et bien, c'est le moment de reprendre à partir de la fuite. Et puis voilà. Bon, ah oui. S'il te plaît, ne bug pas tout de suite parce que j'aimerais bien pouvoir tourner un peu. Ok, bon. Finalité 90. Ok. Wait. Ça? Où? Comment? Pourquoi? J'ai entendu un truc. Ah! Là! Ok. Je suis prêt, au cas où. Ça sera une note, ça. L'île de Rigotsu abonde d'ostium. Pendant 100 nuits, la prêtresse suivra une formation au souterrain lunaire. Là où les Utsuwa précédents traitèrent avec les esprits, c'est le lieu de formation de la prêtresse, qui sera à l'origine du miracle. Confinée dans un tunnel sombre, elle oubliera le monde entier, tout en se préservant. Après avoir affronté la mort et le néant, elle renaîtra à nouveau dans ce monde. Telle est la formation des ostiums de Rugetsu. Formation permet de donner naissance à un miracle par le courage et la diligence. Seule une personne digne d'une prêtresse de la lune réussira la formation. Oh, c'est pas vrai. Ils ne me lâcheront donc jamais. Allez, viens là. Viens battre. Viens là. Tiens! Et t'es mort. Voilà. Faudra peut-être que j'utilise un peu plus les pouvoirs de l'appareil. Parce que là, je les stocke, mais je les utilise pas. Faudra que je m'entraîne à les utiliser pour. En cas de moment critique, je sais à quoi ils serviront. 5 cristaux. Ok. Alors oui, je sais que niveau contenu dans pour ma chaîne, pour l'instant, c'est pas tip-top pour le moment, mais je fais comme je peux. Note laissée par un insulaire. Ce n'est pas un simple visage, ce n'est pas de ce monde. Ce visage est à l'origine du désastre qui a ravagé l'île. C'est le jour sans souffrance, tout le monde passe de vie à trépas. Il ne faut pas regarder ce visage, il ne faut surtout pas le regarder. Effectivement, ce visage est très moche. Putain, mais je fais des dégâts, moi. Monsieur fantôme. Ah, il est à côté. Et merde! Où êtes-vous? Je vais partir à droite, je suppose. Ah, ok, là c'est mieux. Et si je fais comme ça? Boost shot. Ok, donc ça fait des tirs plus puissants. Ça marche bien, je vais le conserver ce truc. Parce que ça peut être utile. Bon. Allez, faut que je termine ce jeu parce que ça fait un petit moment que je suis dessus. Ce serait bien de progresser un peu. D'échanger un peu le contenu de ma chaîne. Parce que, à force, vous devez être un peu fatigué du même jeu. Je tiens. Et t'es morte. Bon, tout se passe bien. Pour ceux qui suivent mon let's play sur Shadow Warrior, je suis vraiment désolé, mais je pense pas que je pourrais le reprendre parce que j'ai bug vraiment trop dessus. Encore? Bon.
Cette fois-ci, tu me poursuis vraiment, moi? Ou bien ça va être la même chose, je vais quitter la salle, et tu vas plus être là? Parce que là, franchement, j'ai l'impression que les poursuites sont beaucoup moins stressantes dans ce jeu. Même si elle fait un peu peur, j'avoue que comparé à Kelly, elle est moins flippante. Donc Kiri, elle me faisait flipper dans le premier. C'est un truc de malade. Au moins, elle one-shotait. Elle, j'ai pas l'impression qu'elle one-shot. Donc c'est bon, je peux me prendre un ou deux coups. Ah, Kiri, vous aviez un moment d'inattention et c'était foutu. Où ça? Ah là. Qu'est-ce que ça va être? Le livre. Et j'ai grandement apprécié le Kagura du Rugetsu en compagnie des prêtresses Tsukimori. Et puis enfin, tester la caméra obscura. Le Kagura du Rugetsu est un événement imposant qui se déroule au cœur même du village, lequel, au premier abord, la danse se déchaîne peu à peu jusqu'à atteindre un point culminant où l'ivresse et l'excitation amènent certains à perdre conscience. Pendant le Kagura, une étrange maladie appelée marche funère apparaît. Cette maladie ferait suite à la possession du corps par un esprit malin. Lors de la danse, les âmes de certains participants quittent leur corps et laissent place aux esprits. Les âmes ne reviennent-elles pas ou reviennent-elles changées? Les prêtresses Tsukimori sont facilement possédées. Elles suivent une préparation avant le Kagura. Ce que j'entends sur la tradition des prêtresses Tsukimori est vraiment très intéressant. Les prêtresses pourraient percevoir les chants des gens ainsi que les esprits. Ces chants sont appelés chants lunaires et varieraient selon les individus. Le champ lunaire d'une personne représenterait la nature, la personnalité de celle-ci. Si une personne est en colère, son champ lunaire s'élèverait, et si elle est perdue ou désolée, celui-ci s'affaiblirait. La mélodie resterait malgré tout la même, cependant la marche lunaire perturberait le champ lunaire et pourrait l'amener à se briser. Cette superstition décrivant les humains comme des masses sonores est fascinante. Par ailleurs, les prêtresses Tsukimori ont pour rôle de jouer clairement et justement le champ lunaire selon la situation. Selon la tradition, le champ lunaire est utilisé pour guérir diverses maladies. Il n'est pas rare de traiter un mal par la prière, mais de traiter par la musique est très singulière. Les prêtresses auraient perçu mon chant et il serait apparemment très agréable, bien qu'elles disent parfois des choses étranges. Toutes les prêtresses Tsukimori sont modernes, cultivées, douces et belles. J'espère les rencontrer à nouveau quand je reviendrai. Ouh! Il y a tout de même de longues notes. Mais bon, je pense que celles de Resident Evil sont beaucoup plus longues que ça. Où est-ce que c'est? Ah, là. 20 cristaux rouges. Est-ce que je peux améliorer quelque chose? Non, pas là. Bon, c'est triangle pour retourner en arrière, c'est ça? Triangle. Ok. 50. Fantôme, j'ai des dégâts proportionnels. J'ai lesquels équipés? Dégâts importants. Ok. Ça lui est pas mal. J'améliore un peu celui-là, ok, où? Si jamais je pourrais en avoir besoin. Et cadence photographie, capacité, tringue, magazine. Allez. Si je peux augmenter la cadence de tir, ça ira très bien. Et le drap aussi. Ça j'ai tout à un minimum. Permettrait d'être un peu plus réactif en combat et être paré à diverses situations. Je ne connais pas cet endroit. Qu'est-ce que c'est? Sanctuaire de l'éclipse lunaire. Ok. Ok, ok, ok. Ça, c'est des escaliers. Bon. Encore. Sanctuaire de l'éclipse lunaire. Est-ce que ce serait là où on affrontera le boss final?
Je pense pas, parce que là on n'est pas encore à la fin du jeu. On est loin. Il nous reste quoi? Trois phases avant la fin du jeu. Sans compter celle-là. J'aime pas ce son. Le Kagura Durugatsu aura lieu cette nuit au sanctuaire de l'éclipse lunaire. Nous vous prions de rejoindre les lieux avant 22 h. Lors du Kagura, les portes du sanctuaire seront fermées. Les allées et venues ne seront pas autorisées. Vers minuit, nous vous prierons de vous lever de vos sièges pour célébrer l'éclipse lunaire. Nous vous inviterons également à porter le masque qui vous aura été donné au sanctuaire de la conscience. Et ce, pour toute la durée du spectacle. Qui êtes-vous? Ah, c'est les Canadais! Les Canadais. Oh mon dieu. Oh, sauvegarde! Une sauvegarde fixe. Nickel. Herbes médicinales. Allez, voilà. Bon, c'est assez lugubre. Moi, je vous le dis. Ok, sauf que je vais déjà aller visiter de ce côté-là. Pour voir s'il n'y aurait pas une poupée, parce que oui, j'ai pas trouvé de poupée depuis le début de cette vidéo. Ce qui est assez bizarre vu le nombre de poupées que j'ai trouvées durant les vidéos précédentes. Sûr qu'il y en a une cachée là. C'est obligé. C'est obligé qu'il y en ait une. Carrément là-bas. Ah, je peux pas l'atteindre. Bon. Pas de poupée? Putain, ce son. Ok, je crois que ça va être la merde à l'intérieur. Get ready for the fight. Tout est calme. Serait-ce la scène du Kagura? Ok. Ah, mais on est déjà venu avec Misaki. On est déjà venu ici. Déjà, je vais vérifier de fond en comble. Est-ce qu'il y aurait des objets à récupérer? Des poupées à photographier? Non. On va aller là-bas. À mon avis, on va avoir un combat de boss ici. Il n'y a pas le petit fantôme qu'on va rencontrer. Enfin, qu'on a rencontré, plutôt. Peut-être affronter de nouveau le boss final. Dans un combat un peu plus difficile, cette fois-ci. Enfin, boss final, ce qui sera le boss final. Ouais, j'arrête pas de le répéter. Bon, ben, allons-y. Attendez. Non, elle n'était pas là, Misaki. Elle était allée dans un... C'était une autre scène. Il y en avait une autre souterraine. Et là, c'est... Ah, on n'est pas dans la même. On n'est pas dans la même. C'est une différente.
Attendez. Ne me dites pas qu'on l'affronte. Les 5 à la fois. Alors là, désolé, si on dit qu'ils sont 5 contre 1, moi, j'en tue quelques-uns avant le battle frame, hein. Désolé. Désolé. Mais je vais pas te laisser faire ça. Merde! Ah, ça fait mal quand même. Objet. Et un médicinal. Et bon, heureusement, j'ai fait le plein d'herbe. Je sais, dit comme ça, ça ne fait pas. Merde! Ah, vous voyez, c'est ça le problème quand il en s'appelle. Ok. Faut vraiment en éliminer d'urgence. Ah. Merde! Toi, meurs. Ah, mais non! Au secours! Toi. Putain. Et je crois que j'ai plus beaucoup de vie. On va prendre encore deux herbes médicinales. Oh non, non, ça y est, ça va commencer à bugger. C'est pas vrai. Ok. Ok. Bon, j'ai peu de temps pour terminer ce combat. Ok, stop. Stop. Pause sur le combat. Save state. Et je reprendrai après. Parce que là, il est hors de question. Que voilà. Petite pause. Je sais pas si je reprends le même jour, mais en tout cas, je reprends après. Ok, bon, espérons que cette fois-ci, ça ne bug pas trop. Ça démarre mal. Ok. J'ai eu. J'ai eu aussi. Et d'une en moins, je baisse un peu le son. Ok. Bon, j'en profite pour prolonger un tout petit peu la vidéo, parce que pas quitte, hein. Je t'ai eu cette fois-ci. Et merde, je me suis fait avoir. Normalement, j'en ai tué deux, ce qui est très bien. Cette touche pour faire demi-tour coupé. C'est. Et maintenant t'es morte. Maintenant t'es morte.
Toi aussi. Hein? Ça. Toi. Allez, crève. Normalement, il reste plus qu'elle. Voilà. Yes. Prenez-vous ça dans la face. Donc en fait, si j'ai bien compris, en fait, il y avait deux rituels, d'accord. Il y en avait un qui s'est déroulé en public, donc c'était ici. Ça s'est mal déroulé apparemment, et ils ont dû éclore en fait à ce moment-là. Et puis pendant qu'il y avait tout le foutoir, le gars, le docteur, il a emmené les quatre filles dans le souterrain pour être les canadés du prochain rituel, enfin du rituel secret. Et puis donc il a pris sa propre Kagura pour faire son rituel de son côté. Et donc du coup il y a eu deux rituels, et les deux rituels se sont à mon avis très mal passés. Le premier déjà tel qu'on l'a vu, donc il y a eu le bordel, les quatre filles se sont fait emporter dans le souterrain. Et puis ensuite le deuxième rituel a dû mal se passer aussi pour celle qui faisait le Kagura. Et donc du coup ça a déclenché toute cette merde. Ok, donc il y a eu deux rituels à la fois. Ce qui expliquerait pourquoi tout va mal, ok. Ah, effectivement, c'est la merde. C'est la grosse merde. Il y avait un objet ici. Ok. Donc, il y a bel et bien... donc, c'est bel et... Ce n'était pas là où... Type 0. Oh mon dieu, type 0, vous êtes sérieux? Ah, il y en a que deux. Oh, ça va être plutôt être le type 0 que je vais garder pour le boss final. Si je peux acheter du type 90, ce sera lui que j'utiliserai pour les boss actuels. Bon, bah on avance bien pour l'instant. Ça fait plaisir. Et là, nous allons à... Ouh, autre objet. Est-ce que ça va être un document? Est-ce que ça va être autre chose? Non, désolé. Pile au moment où je suis pas du tout prêt, ils le font. Mais bon, heureusement, c'est des QTE faciles, c'est toujours la même chose. D'accord, donc on va aller au souterrain, là. C'est ça. Donc on va accéder au second lieu du rituel, là où Misaki a disparu. Là où peut-être qu'elle est morte, peut-être qu'elle est toujours en vie. On ne sait pas. Personne de dos était mon père. Bonne question. Attendez, il y a un truc. Ah. Oh merde.
fille du plafond. Je viens de battre. Merde, je l'avais. Putain, ok, d'accord. Je peux pas faire les Final Frame avec elle. Elle, je vais la tuer normalement. Putain, mais les herbes médicinales, ça soigne que dalle. Voilà, ça fait mal. Par contre, ce couloir là, il est pas utile pour combattre, pour la combattre. Elle est morte. Et elle ne reviendra plus jamais. Ça pour ça. C'est un peu triste. Mais bon. Il va encore être cinématique, je suppose. Allez. J'allais au coin du mur et puis. Ah non. Si, là. Non, c'est une autre salle. Différente. C'est ça? Moi, pas comprendre. I do not understand. Could you... Could you please... do something? No? Ça. Il y a un truc qui apparaît déjà. On se trouve sur l'hôtel. De l'air stagnant provient de derrière l'hôtel. Ok. Objet. S'il te plaît, prends-le. L'antichambre est le lieu où les prêtresses se préparent à la cérémonie du passage. En fusionnant avec leur masque, Lutsuwa installe le socle. Sur le socle, les Canadiens s'agenouillent autour. Les prêtresses s'unissent ensuite à leur masque et écoutent le chant lunaire joué depuis l'autel. Les prêtresses doivent ne faire qu'un avec leur masque. L'union accomplie, leur corps doit enfin se rendre au gestueux sanctuaire lunaire, souterrain lunaire. Ok, mais ça ne m'explique pas ce que je dois faire. Quelqu'un m'explique ce qu'il faut que je photographie ça. Oh mon Dieu, j'y comprends rien. C'est ici. Il y a quelque chose à photographier, ça. Ça là-bas, faut faire quoi? Est-ce qu'il faut aller sur le côté pour appuyer sur un bouton? Attendez. Ah, les cordes au sol. Peut-être qu'il faut que je photographie
l'une des cordes. Ça. Je comprends pas. Est-ce qu'il y a un bug ou bien il y a je sais trop pas trop quoi? Est-ce que ce passage buggerait? Ce serait plutôt l'angle? Ce serait plutôt je sais pas. Pas les yeux par hasard. Ce serait la globalité qu'il faut prendre. Voilà. Bon, je sais pas. Vous savez quoi? Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo doit faire à peu près... bon, elle fait plus de 30 minutes là. Enfin, elle fait environ 30 minutes là. Ok, bon, bah, merci de vous regarder. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer de voir ce qu'il faut faire ici parce que... C'est un grand mystère, franchement. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!